Bienvenue à tous pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui parler de la faute grave de l'agent commercial et d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2015. Conformément aux articles L134-12 et L134-13 du Code du commerce, en cas de cessation du contrat d'agent commercial, l'agent a droit à une indemnité destinée à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de clientèle, sauf faute grave de l'agent commercial. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d'appel de Toulouse qui a considéré que constituait une faute grave de la part de l'agent commercial, de nature à le priver de l'indemnité de fin de contrat, le fait pour l'agent commercial d'avoir délaissé son activité d'une manière si conséquente qu'elle rendait impossible le maintien du lien contractuel. En l'espèce, le chiffre d'affaires de l'agent commercial pour les 9 premiers mois de l'année 2008 avait diminué de près de 50% par rapport à celui réalisé l'année précédente. Cette diminution s'expliquait par l'absence de diligence de l'agent, qui n'avait plus visité certains de ses clients, et qui ne s'était pas rendu à divers salons professionnels. Elle avait par ailleurs été amplifiée après un avertissement donné par le mandant à l'agent commercial. Du fait de sa faute grave, l'agent commercial ne pouvait donc pas bénéficier de l'indemnité de rupture du contrat.